Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Selon Maurice Merleau-Ponty, la conscience est l'être à la chose par l'intermédiaire du corps. Le corps n'est pour ainsi dire ni l'âme, ni l'être dans son entièreté, mais le réceptacle sensible d'un homme ancré dans un milieu évolutif. Très tôt, l'homme s'est interrogé sur cet objet perceptible par les sens, cet objet soumis à la violence inéluctable de l'anéantissement, de la mort. Dans le temps et dans l'espace, la représentation universelle du corps souffrant se retrouve dans de nombreux mythes fondateurs. Osiris assassiné et démembré par son frère cadet Seth dans l'Égypte ancienne, ou encore le calvaire du Christ dans l'Occident chrétien sont autant de symboles d'un corps qui trouve son salut dans l'au-delà. Ainsi, l'identité physiologique commune de l'homme offre une première interprétation du corps comme objet matériel sensible, assujetti à la douleur et à la mort, tout en la refusant. Pour dépasser cette finalité, les sociétés ont inscrit le corps dans une cosmologie unitaire de l'homme où l'animus, l'âme, l'esprit, la pensée, la raison, l'utilise comme support explicatif sensible, biologique et physique. Chez les Kanaks, le corps est une parcelle non détachée de l'univers qui le baigne. Cette représentation holistique du vivant rend le corps insaisissable en perpétuel mouvement, à la recherche d'un équilibre précaire à préserver entre l'unité du vivant et la différenciation individuelle. Cette première interprétation du corps l'inscrit d'emblée comme point d'ancrage entre la pensée et l'ordre social en place. Le corps est très rapidement coincé dans une vision binaire, instituant le masculin comme supérieur au féminin. Ce phénomène se retrouve dans toutes les sociétés, mais également dans le symbolisme des fluides corporels et de leur compatibilité d'humeur. Principes de complémentarité ou d'opposition dépendent cependant des sociétés. Le corps se définit ensuite par l'organisation sociale autour du lien de parenté, attribuant une fonction définie à chaque entité constituante de la société. Prenons l'exemple du sang royal dans les monarchies, qui détermine la filiation du pouvoir. La représentation de l'équilibre holistique du corps matériel va constamment se reformuler à partir de l'évolution des dogmes. En Occident, Platon théorise le dualisme entre l'âme et le corps. La croyance d'un principe spirituel divin spécifique à l'homme lui confère de se libérer d'un corps fébrile par l'ascétisme et le développement spirituel. La partie matérielle des êtres animés est ainsi reléguée à sa condition éphémère et aux soins que l'on doit lui prodiguer face à une âme qui se veut immortelle. Par la suite, le christianisme et la théorie de l'incarnation qui confère à Dieu sa part d'humanité va définitivement introduire l'image du corps de l'homme dans une recherche de conformité au regard des principes religieux puis sociétaux. Le rationalisme qui s'impose au moment où Descartes théorise son analogie entre l'animal et la machine ouvre la voie à l'exploration interne du corps et finalise le passage d'une conscience holistique à dualiste. Jusqu'au XIXe siècle, l'évolution philosophique et scientifique s'attache dès lors à disséquer la nature et le corps humain, rationalisant ses fonctions, observant causes et conséquences dans une vision purement mécanique. Il faut attendre le développement des sciences sociales pour appréhender de nouveau le corps comme composante essentielle de l'unité humaine. Cependant, malgré les avancées certaines pour le réhabiliter, il continue d'être agencé par le social comme un outil interactionnel et réparable, véhicule de la cohésion et de l'action humaine dans le monde sensible. Selon Émile Durkheim, le corps est le premier facteur d'individuation, aussi l'image du corps dans une société donnée présuppose une mise en relief des interactions qu'il cultive avec son environnement sensible. Telle la surface d'un océan,
le corps est soumis aux fluctuations météorologiques extérieures et à toute forme de pression culturelle qui influe sur l'essence même de sa surface et de ses profondeurs. Ainsi, le corps s'installe dans un double mouvement de réflexivité, d'un extérieur normatif à un intérieur émotionnel. Un feedback permanent pour accéder au modèle sociétal requis. À ce sujet, les travaux de Marcel Mauss sur les techniques du corps permettent d'appréhender la tradition et la transmission comme des éléments fondateurs dans l'usage du corps. Le corps est le premier et le plus naturel objet technique de l'homme, avec une distinction de genre et d'âge. Ces techniques se retrouvent dans toutes les composantes des activités humaines, de la manière d'allaiter, de se nourrir, de se reproduire, en passant par la technique capitale du soin. Si la pleine capacité du corps dans la société se situe sur l'axe de la normalité, l'insolite apparaît alors comme disruptif dans la reconnaissance de l'autre. Pour restaurer l'équilibre, le social doit apporter des réponses pour éloigner ou réintégrer la normale dans une normalité tolérée, reconnaissable et assimilable. Chez les Grecs, le Téras, ou l'enfant né monstre, signalait l'arrivée du fléau, de la stérilité et de la faim. De la même manière, le corps mal inséré dans la société peut disparaître ou être mis à l'écart. Le sans domicile fixe ou le migrant sont des exemples d'invisibilisation du corps dans l'espace social. Vivre son corps individuel et social apparaît comme une conformité, cependant, celle-ci disparaît dès lors que celui-ci est percuté par un événement perturbateur de cohérence, imprimant dans la mémoire du corps des traces physiques et psychologiques, violence, accident, maladie, vieillesse, qui modifie la perception individuelle de notre support matériel d'existence. Ces événements effacent le sujet qui n'est plus que l'objet de son corps. À ce chemin dévié, la société offre un panel protocolaire de traitements médico-légaux, aujourd'hui mondialisé. Cependant, ce monopole ne doit pas cacher la persistance de traitements plus holistiques, comme le chamanisme ou la phytothérapie, pour un corps en quête d'équilibre cosmologique et où les réponses normatives ne suffisent pas à élaborer une image individuelle en adéquation avec l'être singulier. Dans la modernité du XXIe siècle, s'affirme une énième redéfinition du corps matériel en adéquation avec l'uniformisation des sociétés humaines. L'anthropologue David Le Breton apporte un élément de réponse sur l'évolution conceptuelle du corps lorsqu'il identifie les traits optionnels de représentation comme supérieurs aux traits normatifs dans les sociétés modernes. Le corps devient un élément surnuméraire dans une société sollicitant de moins en moins l'outil physique et biologique qu'il représente. L'urbaniste Paul Virilio illustre ce constat lorsqu'il écrit que l'humanité urbanisée devient une humanité assise. À ce propos, David Le Breton insiste sur l'intérêt de la mobilité et de la motilité du corps, permettant des perceptions sensorielles essentielles à la structuration du moi. Limiter ses mouvements, c'est léser sa capacité d'intervention dans le réel. Le développement de la robotisation et le développement du numérique sont autant d'emprises sur l'effacement du corps devenu optionnel dans sa fonction d'alter ego. Émettre un signe distinctif corporel apparaît alors comme l'ultime recours dans la construction d'une individualité souveraine. Pourtant, cette illusion est fabriquée par le récit social. Dans une pensée darwinienne, le post-humain devrait tout d'abord passer par des variations et mutations biologiques. Pourtant, la technologie lui confère aujourd'hui des moyens d'hybridation permettant de nier une donnée essentielle du corps humain, sa mort. Dans cette corporéité transformée, le philosophe Jean-Michel Besnier y voit le symptôme de cette dissolution du biologique dans le machinique qui suggère que ce qui résiste et à quoi il faut s'arracher, c'est la corporéité et que l'artefact garantira une fluidification susceptible de transformer le corps en simple flamme circulant dans le cyberespace. Le transhumanisme s'empare ainsi d'éléments d'immortalité technologique pour supplanter ce corps, poids gênant dans l'accès à une pensée émancipée du sensible. Cette nouvelle cosmologie dépassant les contraintes physiques et biologiques du corps où l'homme transfère sa pensée sur un support viable dans le temps, comme un disque dur, l'homme moderne l'appelle de ses vœux pour toucher l'immortalité de sa pensée mythique. Pour conclure, le corps sensible n'est autre que la membrane éphémère, vibrante, modelable à souhait,
par une réflexivité d'éléments extérieurs et intérieurs permettant l'altérité nécessaire à la cohésion sociale. L'homme n'a cessé de chercher une justification à l'utilité de ce corps fragile et mortel face à une faculté de pensée éminemment placée hors du temps physique. Le corps du XXIe siècle n'échappe pas à cette analyse dans une période critique où l'habitabilité de la Terre est remise en question, le corps sensible n'a jamais été aussi vulnérable. Définir le corps aujourd'hui n'est-il pas avant tout la compréhension de la quête d'une immortalité de la pensée dont seul le corps souffrant en est l'obstacle. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green, absolument. Green, plus Green.